Le Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique, Servida Dunedin, est le seul centre parmi les 53 centres d'excellence africains mis en place dans le cadre du projet CEA Impact de la Banque mondiale, dont l'objectif est de répondre aux défis complexes et multiples de l'urbanisation en Afrique. Le centre, après donc sa naissance, s'est donné pour mission de former des experts, des techniciens polyvalents pour accompagner les autorités, accompagner les territoires, donc les communes, les régions, pour mettre en place des projets de durabilité urbaine dans nos cités. Avec la création de centres d'excellence en Afrique, dont les disciplines principales sont l'urbanisme, l'écologie urbaine et l'assainissement, le développement urbain, le transport et l'économie urbaine, le logement et la construction durable et la gouvernance urbaine, l'avenir de l'urbanisation de l'Afrique pourrait être résolu par une recherche et une mise en œuvre de qualité. L'admission au centre, il faut dire que ce sont les méritants qui ont accès à ce centre parce que c'est un appel à candidature qui a été lancé publiquement et donc les gars ont postulé de partout, les doctorants ont postulé de partout. C'est ce qui a fait qu'ils ont suivi les étapes, d'abord la présélection, ensuite les étapes des entretiens et autres pour qu'on puisse retenir les étudiants méritants. La principale source de financement du centre provient de la Banque mondiale. Nous sommes dans une démarche d'optimisation de notre filière de gestion des déchets, en partant de la collecte jusqu'au traitement. Et avec le Servida, le partenariat qui est noué consiste à réfléchir et à faire émerger des initiatives de valorisation des déchets, de sorte à réduire la quantité de déchets que nous enfouissons ici.